Amis viewers, bonjour et bienvenue pour les suites de l'aventure sur Mountain Blade Warband avec le mode Age of Arthur bien sûr. Alors, on vient de finir les Salian Knights, donc là, on a tout ça pour les francs, on a chopé ton Grom aussi bien sûr. Et là, période de paix, donc on va essayer de, encore une fois, d'améliorer nos relations. Avec les francs. Déjà fou. Ah ouais, attends, ils sont. Les Viromes, je crois. Je crois qu'ils sont à un banquier là-bas, mais. Bah, je crois que j'en ai croisé un. Allez, rejoindre le banquier. Encore bugué comme d'habitude. Alors, Prince Noyan. Et. Ah merde, j'en ai pas. Ah, je croyais que j'avais déjà de quoi lui faire sa quête, dommage. Noyan toujours. Ils sont deux normalement ici. Noyan. Théodoric. On est à 25 avec Théodoric quand même. Bon. Je vais essayer. C'est vraiment une quête compliquée. Il faut qu'ils aillent à Tinqueux. Là, vous voyez, ils se dirigent vers Tinqueux. Et au bout d'un moment, ils vont se rebeller et faire demi-tour. À moins que j'arrive à ne pas les lâcher. Ça se trouve, c'est parce que je les lâche à chaque fois. Ça a l'air de tenir pour l'instant. Par contre, ma réputation avec le village allait ruiner jusqu'à la fin de mes jours. Ah, l'école de Compiègne est terminée. Ok, bah c'est cool. Là, il y a Théodoric qui est à l'intérieur, mais... Ah, c'est parce qu'il avait envie de danser sur la table. Ok, deux points de relation. Pas terrible, hein. Pas terrible. Bon, il faut des chevaliers maintenant. Qu'est-ce que j'ai à bouffer? Du fromage, des céréales, du pain et de la viande, on est bien. Hop, je recrute 11 gars. Faut toujours 500 personnes, bien sûr. Clovis a décidé de garder que l'encre pour sa gueule.
Ça devient un petit peu chiant quand même. Le moral de mes troupes baisse, évidemment, tu sais. Aucune raison, aucune. Mais c'est une carte magnifique, dis donc. Donc là, on vient en aide à une patrouille française. Par contre, je sais pas qui sont gardes de caravane. Hein, c'est des esclavagistes ou une connerie comme ça. Il y a des voix qui sont un peu bizarres quand même. Ils ont modulé, mais peut-être un petit peu trop. Damn you! Donc ça reste compréhensible quand même, merde. Les relations avec le royaume de France se sont améliorées, c'est bien. Je sais pas du tout où est passé Clovis. Ils m'ont pas mis là-haut quand même. Il est où ce con? Lui me supporte moi, c'est cool. Une tâche à me confier peut-être, non? On a réussi à en avoir un avec nous. Et lui, il soutient son père, logique. On va échouer la quête dans 9 jours, mais on pourra de toute façon pas réussir la quête, hein,
Les Salian Francs ayant été détruits, on ne pourra plus capturer de seigneurs de cette faction. Vous. Ils foutent tout ça, c'est con. Je suis Théodoric, mais j'ai pas été convoqué pour. J'ai pas été appelé pour une campagne militaire, moi. Alors, Kent et Middlesexan ont déclaré la guerre au royaume de France. Ça doit être des... C'est des mecs en haut, ça. Kent, c'est sûr, c'est en Angleterre. Ouais, mon moral est low, comme d'hab. Chercher surtout une catin pour les hommes. Il n'y en a pas. Il n'y a jamais de catin quand on en cherche. D'accord, le royaume de Kent, c'est eux. Je vais juste aller jeter un œil. Faudrait juste voir un petit peu la gueule des garnisons, tout ça. 500. 400. Une armée de 700, une armée de 300. Je pourrais pas aller faire le con là-bas. Ok, ça marche. Donc on va aller voir... je sais plus comment ça s'appelle. Aller où? Aller à Cambrai ou à... Machin, là. À Cambrai. Clovis a vraiment modifié son... Wow. Donc c'est une congrégation de tous les villages autour de moi qui sont venus me taxer de la thune pour nourrir leurs enfants. Alors je leur ai donné 4000 deniers, c'est juste énorme. Mais ça a permis d'augmenter mes relations avec tous les villages français en fait. Peut-être pas tous, mais tous ceux du coin. Au moins tous ceux du coin, c'est déjà pas mal. Notamment Compiègne, donc là à Compiègne on doit être à 100 normalement. Elle veut pas, mais j'ai l'impression qu'il y a pas moyen en fait. Commence à me demander s'il y a vraiment moyen de moyenner avec celle-là. Parce que quand on demande à Clovis pour un mariage avec
avec quelqu'un de sa famille, il dit qu'il a personne de disponible. Ça commence à m'inquiéter un petit peu. J'ai l'impression qu'elle me fait tourner en bourrique cette morue. Yves. Bon. Bon. On va aller voir à Compiègne ce que ça fait d'avoir 100 de relations. On va pas faire grand chose. Ah non, tu vois, ça bloque à 99 en plus. Ah bah oui, j'ai besoin de thunes, oui, c'est vrai. Eh bien, on va attendre ici un peu, voir un peu s'il y a des événements qui se déclenchent. Si les mecs du Kent descendent sur nous, peut-être. J'ai pas l'impression que les armées puissent traverser les océans, mais bon. Les Mumains ont déclaré la guerre à la France. Pas où ils sont les Mumains, par contre. Ouais, c'est à l'autre bout du monde, on s'en bat les couilles. Mais, ok. Je cherche toujours une catin, mais bon. Rolf, toutes ses compétences, c'est de la guerre. Eh, quoique, pourquoi il a 5 d'intelligence, 14 d'intelligence? Admettons. J'ai jamais vraiment considéré Rolf comme un intello, hein. On va faire qu'on traverse la Manche. Ouais, bah Théodoric. Ah bah oui, oui, c'est pas bien. Hop. Mais sinon je vais rater la quête, j'ai vraiment pas envie, c'est déjà très chiant. Mes relations se sont améliorées, on sait pas pourquoi. Ah non, c'était Noyan qui voulait... Alors attends. Il est près de Chalon. Alors, Chalon... J'ai absolument aucune idée d'où ça veut se trouver.
Je veux le soutenir lui, histoire de me faire mousser. Le mec fait non, mais je m'en bats les couilles, frère. Ok. Bon, sur ce, les amis, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Il faut que je trouve un plan d'attaque pour demain. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et on se revoit demain pour de nouvelles aventures. Des bisous. Ciao.